jour de mon anniversaire. Dans psaume 90, psaume 90, la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Voilà les seuls versets que je vais partager avec vous en ces jours de mon anniversaire. Là où vous êtes levé les deux mains, élevez également votre voix. Merci pour la réunion de ces jours. Éternel Dieu, Père de gloire, puissant, enseigne. Seigneur Dieu, je ne fais que répondre à mon appel. C'est-à-dire enseigner ta parole. Parce que Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je suis passionné de toi, mon Dieu. Parce que Seigneur Dieu, je ne pouvais qu'exister 7 mois. Et puis 7 jours ici sur la terre, mais voilà par ta grâce aujourd'hui 50 ans. Ensemble avec les fidèles de Réma, ceux qui sont présents ici, nous élevons nos cœurs vers toi pour te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous avez déjà les témoins? Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous avez déjà les témoins? Vous avez déjà les témoins? Vous êtes dans la joie? Vous avez déjà les témoins? Que Dieu soit élevé. Lire mon texte du rémiste en rapport avec mon anniversaire, parce que j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui les jours de mon anniversaire. Il nous venons de lire ce passage qui dit « Apprends-nous à compter les nombres de nos jours. » J'ai appris à compter les nombres de nos jours à la lumière de ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, ni plus ni moins 50 ans, je ne peux que dire à Dieu merci. C'est comme ce que j'ai dit en rapport avec mon anniversaire. C'est comme vraiment, c'est un peu de partager la bénédiction de la parole de Dieu avec les autres. La vérité fondamentale, je vous fais part de mon leadership actuel. Je suis en train de marcher avec Dieu et dans le travail de Dieu ces jours de mon anniversaire et à l'âge que j'ai aujourd'hui. 17 juillet 1959, 17 juillet 2014, égale 50 ans. Sagesse. Nous allons tous faire la fête. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire, mais si quelqu'un peut me contredire, je me regretterai de faire la fête. Comme moi aujourd'hui, je fais. Qu'il s'agisse de toute personne qui s'enthousiasme pour une fête d'anniversaire. Fête le jour de son anniversaire, il est enthousiasmé. Et Dieu est l'être le plus exaltant. Il est plus enthousiasmant que tout l'univers. Amen. Amen. Et là où Dieu se trouve, des fêtes s'organisent. Donc vraiment comme si Dieu n'existe pas. Ils sont toujours dans la tristesse. Même les jours de leur anniversaire, on n'est jamais dit dans la joie. Et il y a d'autres même qui prient, qui montrent qu'ils prient
Dieu et mon pouvoir et prendre un visage pétrificateur. C'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Non. Dieu se trouve là où se trouve des fêtes. Et si vous aimez faire la fête, alors vous allez alors adorer les ciels. Si tu aimes fêter, c'est les autres se réveillent, ils sont dans la tristesse, ils montrent comme si spirituel, ça ne va pas comme cela. Au ciel, il n'y aura que des fêtes. Alors, la femme va t'aider. Mais celui qui aime fêter, c'est qui adore vraiment vivre dans le ciel. Amen. Ça, c'est la vérité. Les fêtes, c'est ça la vérité. Amen. Amen. C'est l'endroit où il y a les plus belles fêtes. Et nous devons vivre là-bas. Amen. Amen. Vous savez, oui. 55 entre 60 et 50. Et voilà pourquoi, dans ce que je partage aujourd'hui, je parle de la cinquantaine. Parce que je regarde ce qui est avant moi. Mais comme je suis encore dans le cinquantaine, dans mon exhortation, je parle un peu de ce que je fais au jour le jour. Vous savez, dans la cinquantaine, mon attitude est mon plus grand atout pour influencer les gens. Et vous me verrez toujours avec une attitude positive. Parce que je suis un homme de foi. Et j'ai toujours eu une attitude de positive. Je suis Caleb qui sont entrés dans le pays promis alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas entrés. Parce qu'ils n'ont pas une attitude de positive. Vous me verrez toujours dans une attitude positive. Parce que je suis un homme de foi. Amen. Ah. Aussi, à gérer un projet visant à former et à outiller plusieurs leaders sur la scène internationale. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, mon objectif c'est de former des leaders qui vont former d'autres leaders pour influencer ce monde et pour la seule gloire de Dieu. Mais moi, la moula pour qu'il t'abatte mon souci, pour avoir comme ça mon fils, pour avoir comme ça mon fils, pour avoir comme ça mon fils, des leaders, Bakambi, des gens, des personnes d'influence, des gens qui peuvent influencer ce monde. Voilà ce que je partage avec vous en ce jour de mon anniversaire, même dans la perspective. Amen. Je souhaite continuer à exercer une incidence positive jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire jusqu'au jour où je vais mourir. Bien que je ne vais pas vivre éternellement. L'a fait vieillir, Dieu l'a béni en toute chose. Voilà des choses que je vais partager avec vous les jours de mon anniversaire pour vous montrer que je suis un homme de foi. Vous l'élevez également pour votre terre. Vous restez toujours des gagnants. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, je compte
il souhaite continuer à exercer l'identité. Dans la cinquantaine, mes priorités me permettent de choisir mon personnel en fonction de mes faiblesses. Maximisez vos forces et choisissez votre personnel en fonction de vos faiblesses. Mes priorités, aujourd'hui j'ai besoin déjà de dans l'exercice de mon leadership. J'ai aussi des points faibles. Je ne connais pas encore. Donc, je peux avoir le temps peut-être alors que j'ai des choses à faire. Voilà pourquoi j'ai besoin de chacun dans sa domaine de compétences pour j'aime beaucoup. J'ai toujours témoigné l'informatique. Aujourd'hui, si vous regardez sur ma page Facebook, c'est plein de photos, plein de commentaires, plein de choses. À l'occasion de mon anniversaire, je ne vous retourne pas. C'est vraiment des messages que j'ai transmis dans le monde entier. Personne ne peut faire. Vous voulez certainement traiter tout le monde avec respect, c'est bien, mais entretenez avec tous une relation qui soit bonne et positive. Mais vous ne devriez pas passer autant de temps avec les uns qu'avec les autres. Et je concentre 80% de mon temps, de mon énergie et de mes ressources à mes points forts. C'est l'application du principe 80/20 du Pareto. Je vais travailler avec les gens qui peuvent produire 80% des résultats. Je vais me concentrer sur mes points forts. S'il y a des gens qui prennent la foi de Dieu dans le climat, et écoutez, le pasteur capitaine, vous avez un grand prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu qui établit les gens à la foi. Si vous croyez à cela, vous devez venir au Seigneur. Et je dois proclamer l'évangile. Je dois proclamer l'évangile. Je dois proclamer l'évangile. Je dois proclamer l'évangile. Voilà pourquoi je suis tombé de la parole. J'enseigne, je forme les gens. Je veux proposer la promotion financière. Les gens dans le domaine de l'argent. Pour que l'argent commence à travailler pour les gens, au lieu de continuer à travailler pour l'argent. Je suis un économiste financier. Je connais la comptabilité. Je connais toutes ces choses. J'ai travaillé dans la vie professionnelle. Je dois parler de mes points forts. Je dois faire la différence. Et c'est le moment de passer ces mots à mes points forts. La formation. Ce sont mes points forts. Amen. Amen. J'ai la passion. Je sers Dieu. Je sers Dieu.
Je suis passionné de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours dit, il n'y a personne qui peut me donner des pour servir Dieu. Je ne vois pas. Là, comme on a ça, je l'ai dit sur je n'ai jamais connu quelqu'un qui fait les choses que Dieu. Il n'y a personne qui peut je dois d'abord savoir si cette personne qui veut me dire ça, est-ce que lui l'aime comme moi je suis passionné. Dieu plus que tout ça, c'est la vérité. Après Dieu, c'est moi. Mais Dieu à la table. Je suis passionné de Dieu. Amen. Amen. J'aime Dieu plus que tout ça. Amen. Et il n'y a personne qui peut me donner la solution. Je l'ai toujours dit avec fierté. Parce qu'il y a d'autres gens. On les pousse. Mais Dieu pousse. Ce n'est pas les cas. Les gens me suivent. C'est difficile de me reprocher. Et ça passe par les choses de Dieu. Mais je l'ai dit. Parce que la personne qui peut se permettre de me dire, je lui dirai que je suis passionné. Vous savez pourquoi? Amen. Amen. Peut-être ça, j'ai découvert ça. Mais j'étais déjà passionné. Mais j'étais déjà passionné. Mais quand j'ai appris que moi, au mois de mars, et qu'aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai dit, très passionné du je me vante de la manière dont je sers Dieu. Je ne peux pas me vanter de la chose pour servir Dieu. Je me vante. Voilà pourquoi même les gens devant la chair, devant la chair, je suis en train de blâmer la bénédiction de la parole. Amen. Amen. À prendre la décision de reconnaître et d'observer chaque jour des règles de santé, engagement que je m'efforce de tenir. Amen, amen. Mes bien-aimés, dans le domaine de la santé, aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens me suivent. Je vais leur dire, je me porte en bonne santé physique. Amen. Amen. Je l'ai dit pour que les gens ne soient pas travaillés. Je me porte en très bonne santé. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu est venue par la parole. Et tout mon corps. On a réellement pour Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas accepter la maladie. Si longtemps que Jésus a porté. Je ne peux pas. Je ne peux pas permettre de Dieu. À la maladie. Je ne peux pas accepter la maladie. Il en sera ici. Et Dieu me rendra toujours la vie. J'ai fait de mon mieux aussi pour avoir la bonne santé. Je mange comme je dois. Je ne mange pas beaucoup. Je mange des choses qui peuvent me permettre de me garder aussi en bonne santé. Et je veille à ce que je puisse bien conserver ma bonne santé. Amen. Amen. Même si je suis dans la cinquantaine. Amen. 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 Je me rajeunis aussi. C'est l'onction qui me fait. Ça, c'est la vérité. Aussi longtemps que l'onction. Aussi longtemps que je proclame. Je vais me rajeunir. Amen. Acclamez très fort le Seigneur.
important. Amen. Dans la cinquantaine, ma décision concernant ma famille me permet d'en voir le résultat positif dans la réussite de mes enfants devenus adultes. Je suis un modèle d'un bon parent. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que tous mes enfants sont devenus des adultes. Amen. L'autre l'année prochaine, il aura son diplôme. L'autre, comme il est passé en troisième année d'humanité, je suis dans la joie. Les mois prochains, je vais marier un de mes enfants. Je suis dans la joie. Amen. Amen. Voilà des choses que je partage. Amen. Amen. Dans la cinquantaine, ma pensée me fait accéder, moi, à un niveau beaucoup plus élevé. J'ai toujours eu des bonnes pensées. J'ai toujours dit l'homme était que l'homme. Je n'ai jamais pensé. Je ne penserai jamais. Quelles que soient les adversités, j'ai toujours des pensées. Comme j'ai toujours dit, comme je renouvelle mon intellect, voilà pourquoi j'ai aussi des bonnes pensées. Voilà pourquoi j'ai toujours fait des déclarations. Amen. On dit. Des gens qui pensent bien, ce sont des géants. Je suis un fin penseur. Amen. Je pense comme Dieu pense. Je ne pense pas comme les autres. Je n'ai jamais été négatif. Vous ne me verrez jamais négatif. Parce que ma vie, mon être, mon esprit est environné par des bonnes pensées. Mon livre et mon Amen. Vérité, pour me faire entrer dans ma zone de productivité. Je vais toujours produire des bonnes choses. Je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Je n'ai jamais été satisfait toujours des choses que je fais. Ma satisfaction, c'est pour moi. Et voilà pourquoi je cherche toujours à sortir de ma zone de confort pour aller plus haut, plus haut encore. Je vois ce pays, comment je peux rendre ça émergent par des potentiels que Dieu a mis en moi et en influençant la vie de multitudes de personnes en tant qu'une personne d'influence. C'est ça ma vision. Et je suis en train d'influencer avec l'internet le monde entier par des choses profondes. Par des gens qui me suivent. Toute personne qui me raconte. Je suis déterminé. Qui procure le fait de gagner de l'argent et le privilège d'en faire cadeau. Vous savez, je connais des gens qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires à l'âge de 20 ans.
Mais aujourd'hui, j'ai 55 ans. Écoutez, Yoka, ça se ferait. Je suis riche. C'est-à-dire, abondamment. J'ai reçu, je suis riche. Si les terres se font, mais je veux aussi avoir beaucoup d'argent. Je veux m'enrichir afin d'enrichir. Ça, c'est mon objectif. Je veux avoir beaucoup d'argent. Mais c'est comment j'aimerais. Mais c'est pour faire cadeau. Pour aider les gens. Pour faire preuve de la chaîne. Voilà pourquoi quand j'ai quelque chose, je ne garde pas. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il est la plus grande joie, c'est de recevoir. Amen. Ça, c'est mon objectif. Je ne peux pas me permettre de dire je vais gagner de l'argent pour moi-même. Je suis un autre foi. Et quand tu as la foi, tu as une paix profonde d'abord. La plupart des gens qui décident de croître personnellement trouvent leur premier mentor dans les pages des livres. C'est évidemment un endroit satisfaisant pour commencer. C'est évidemment un endroit satisfaisant pour commencer et j'apprends encore chaque année grâce à des dizaines de personnes que je ne rencontrerai jamais. Et surtout, vous avez également besoin de trouver des modèles à suivre. Et si vous ne suivez que vous-même, vous allez vous surprendre à tourner en rond. On a personne d'autre à suivre que soi-même. C'est la loi du modèle. Devenons comme les personnes que nous admirons et les modèles que nous suivons. Lui-même a commencé à être mentor pour les autres. Et l'argent peut nous permettre de nous payer des choses, mais le bon mentor nous permet de nous payer un avenir meilleur. Le peut s'enrichir à moins d'enrichir les autres. Voilà un autre aspect important du point de vue des relations.
la vie est faite d'élimination. Si aujourd'hui je vis, c'est parce que j'ai des parents qui m'ont vu naître. Et voilà pourquoi je pensais à mon père. Aujourd'hui j'ai lancé cette photo. Quand j'avais les 7 mois, vous êtes tous témoins. Aujourd'hui, j'ai partagé ça. Amen. J'ai dit, ma vie pouvait s'arrêter. Je suis dans la joie. Amen. Parce que j'ai des relations. J'ai des parents. Ma mère est là aujourd'hui. En train de me suivre. Les jours de mes séances. Je te dis l'honorer. Et Dieu te bénisse. Amen. Ma famille. Ma famille, c'est mes parents. Ma famille, c'est mon épouse. Savoir comment je pouvais acquérir oui, c'est ma famille, c'est mes enfants. Je ne fais pas manquer des gens. Mes enfants, les plus précieuses. Ceux qui font partie d'une équipe qu'on échange. C'est une meilleure équipe. La relation, c'est aussi la connexion. Mon père, c'est vraiment mon héros. Et dans les choses de Dieu, dans le ministère aujourd'hui, j'ai toujours témoigné de Dieu. Parce que, écoutez, j'ai les connus dans les livres. Voilà pourquoi j'aime lire. Amen. Amen. Kenneth Ekin, jusqu'au jour où il était parti au président, je ne l'avais jamais vu la sur bande de vidéo, ou entendre son DVD. À ce moment-là aussi, la technologie était déjà là, je l'avais connu seulement par les livres. Voilà pourquoi j'ai dit que il y a d'autres gens qui trouvent leur mentor. Amen. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que quand j'ai commencé le ministère, j'avais vécu le rejet. Mais je devrais quand même voir sur qui m'inspirer dans les choses de Dieu pour bien marcher sur la voie du Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce de me connecter à Kenneth. Je lisais ce livre. Et c'est lui qui m'a mis sur la bonne voie. Si je dis que moi je la ministère, c'est parce que je suis inspiré de cet homme par ses livres. J'ai toujours regretté les gens qui servent Dieu, je regrette. Je suis un homme qui est passionné, je voulais vous dire, il n'y a personne qui peut donner la leçon vis-à-vis de Dieu. Parce que je suis très passionné. Je suis dans la montagne, l'endam de la Mokila et Zangaï. Ça, je te dis. Mais Dieu nous connecte aussi avec d'autres personnes. Comme j'ai dit que mon leadership, c'est celui de David. David aussi n'avait pas un mari. Parce que celui qui pouvait être son mari, et David a fui.
Et là où il a fui, il y a des gens qui l'ont suivi. Et c'est ça mon liberté. Dans cette église, il n'y a pas de gens comme lui qui étaient riches. Ce sont des gens qui les ont méprisés. Ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont des gens qui étaient dans vos problèmes, dans vos têtes, dans vos découragements. Ce sont des gens là qui ont fui et qui ont pris la douleur de terre. Il y a des gens qui sont déjà des vécus. Le pasteur commence à dire, non, mon leadership, c'est avec des gens qu'on méprise, des gens qu'on a rejetés, des gens qui ne se connaissent pas. Et moi, j'étais là pour les encourager dans la route, pour les rendre meilleurs, pour les rendre meilleurs. C'est ça qui me fait marcher. Je n'ai pas de partenaire. Amen. Amen. J'ai seulement des fidèles à qui je vais la parole. Amen. Amen. Et voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis meilleur. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui se tient. Amen. Amen. Ça c'est la vérité. Je suis né dans ce pays. Je suis né dans cette ville. Ils m'ont précédé. Oh, mais qui bosse dans l'aïe, avec Nicolo chez moi. Mais comment ils vivaient? Comment ils trouvaient qu'ils faisaient? Peut-être quand je les regardais, je pouvais les envier. Mais j'ai suivi la voie de Dieu. J'ai suivi la voie de mes parents. J'ai terminé mes études. Amen. Amen. Je fais des bonnes études. S'il y a des gens intelligents dans ce pays, je dis bien. Si il y a des gens intelligents. Et moi d'ailleurs c'est double avec la salle. C'est ça qui me fait mal. Mais il y a d'autres qui sont intelligents. Parce que la sagesse elle est prenez les pensées. Amen. Amen. Et aujourd'hui dans ce pays, l'école, qui ne connaît pas Capitaine? Mais avant, vous ne connaissez pas. Comme toi aujourd'hui, on ne connaît pas. C'est la vérité. Tu es sur la voie de Dieu. Amen. 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 Tu es sur la voie de Dieu
destinée entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Levez votre tête. Ne pensez pas que vous êtes mort. Moi je les appelle les gagnants. Parce qu'il n'y a pas de perdants. Amen. Même si tu n'as pas réussi à quelque chose, tu resteras toujours un gagnant. Acclamez le feu de la Je vais vous partager cette expérience. Quand je fais des bonnes études, je passais toujours des classes. Je réussissais toujours. Et souvent j'étais premier. Et j'ai tous mes bulletins. Sauf le bulletin de la première année. Mais depuis deuxième année primaire jusqu'aujourd'hui, et si vous regardez, j'étais toujours premier. Toujours premier au deuxième. Je ne me retrouvais jamais au deuxième. Amen. Amen. Et j'ai toujours cette pensée-là. Mais j'avais appris la leçon de l'échec. Et quand j'étais à l'université. Et c'était en troisième grade. On avait bien fait l'examen et j'avais réussi. Mais c'est fait que ce professeur avait remarqué que d'après lui, on lui a dit qu'il y a des gens qui ont triché dans l'examen. C'est pourquoi presque tout le monde avait réussi. Oh, les gens n'avaient pas triché. Vous savez, en notre temps, les gens On savait que si un professeur donne les cours qu'il donne, il est sûr ça dans tel livre. Et dans ces livres-là, quand il faut ses examens, il trouve aussi un livre où il y a des questions réponses. Quand il fallait seulement trouver ces livres, On a fait des recherches. Et tout ça, l'examen, il y a eu à crise. Mais c'est normal que, à jour, il y a ma question, et si tu veux dire, ah, non, tu veux dire, on a fait le temps. Tu as triché, tu as fait ma recherche, il y a des boutons, tu as la question, limite, il a eu. Tu as suivi 18, 19. Et quand il a remarqué ça, il était très fâché. Il est allé dire à la panicola, il faut annuler mon activité. Alors qu'on avait fini l'examen, et on s'est préparé pour le faire. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de faire.
Et j'ai pris mon sac. La nuit, ça passe dans la nuit. Et je rentrais. Je vais aller aux hommes en Andako. Mais j'ai pris soin de passer à la faculté. Là, on va être là, il est les capitaines de la faculté. Au moment où je descendais, d'ailleurs, le nom du gars, écoutez, on vient d'annuler l'examen. Oh, là, on va aller ici. Oui, c'est parce que le professeur a dit, mon acquitté à l'objet. Tout le monde doit les prendre. Les vous avez fait un examen criminal. 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 Vous avez fait un examen oral. Regardez un peu votre morale, comment. À quel niveau ça peut se situer. Et c'est le même jour. On a dit tous les informés les étudiants. Examen oral. Voilà comment on est allé faire cet examen. Il y a un examen d'une grande pondération. Et quand on est allé là-bas, on a plus préparé parce qu'on avait déjà préparé. Et ce qui fait que oui, je me suis retrouvé avec une cote. C'était une matière un peu importante. Oui, j'ai dit que et c'est ça qui m'a récalé. C'est la seule année où j'avais. C'était malgré moi. C'était quand même une circonstance qui pouvait me permettre de tirer aussi la leçon sur l'échec. Parce que dans ma vie, je n'avais jamais échoué. Il fallait tirer la leçon sur l'échec. J'ai compris que l'échec était merveilleux. À part les deux fois, on l'a mal libéré. Qu'on avait encore vécu à cause du ferme dans les temps du président déclenche la fermeture. Il y a d'autres qui étaient pas donc Dieu nous a épargnés. On était là, on nous a pas touchés. Et à deux reprises, on a parlé. Amen. Donc vous comprenez que dans la vie, tout ce qui nous arrive, nous avons fait quelque chose, nous avons fait progresser. Nous avons fait progresser. Et la preuve en est que nous avons fait malgré que j'avais repris, je suis dans le plan de Dieu. Je suis un pasteur. Ma générosité commence à être remplie au sensible. Mais quand on peut travailler comme au premier travail, puis là, les lignes assez dans vos camarades. Et quand on grandit dans la vie, à quoi bon si on recevait la vie? Mais on est dans ma langue, on est dans mon mot. Qui doit garder pour moi? C'est pourquoi moi j'ai dit que je ne suis pas encore millionnaire. Non, je ne suis pas encore devenu milliardaire. Non, comme des milliardaires, je deviendrai. Car c'est avec de l'argent, avec mon temps en abondance. Non, comme on peut être mais pour quel but? C'est pour aider les gens. Et pour la consommation de la bâtiment, c'est pour être généreux. Pour la consommation de la bâtiment, c'est d'ailleurs, j'ai toujours été généreux dans ma vie. Les gens qui me connaissent, vous leur demandez, c'est lui qui va témoigner. C'est lui qui va témoigner. Et quand il dira, moi, quand il Peut-être vous ne réaliserez pas. J'avais témoigné ici. Mais ce que je
des examens d'état. Peut-être que j'ai donné l'exemple d'une seule personne. Ce n'était pas peut-être la seule personne. Je ne pouvais pas aller plus loin. Mais ceux qui connaissent ce que je fais dans leur vie, s'ils vous témoignent, vous direz, c'est toujours le pasteur qui fait ça. Amen. Mais je peux partager avec les autres. C'est pourquoi les jours de mon anniversaire, avec mon épouse, avec les enfants, Amen. Aujourd'hui, je suis là. Je suis arrivé. J'ai trouvé une grande joie dans l'église. Ça m'a touché dans le cœur. Amen. J'ai dit, mais c'est le jour de mon anniversaire. J'ai dit, le fait que j'ai acheté des sucres, ça ne va pas suffire à tout le monde. Mais quel est celui qui va prendre le gouvernement? Amen. 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 Il n'y a plus de joie à donner qu'à Dieu. Dans la sémantère, ma croissance me fait accéder à des choses. À des sommets plus élevés que je ne l'aurais cru. Être ce qu'on est et devenir ce qu'on est à mesure de devenir. L'unique raison de vivre. Aujourd'hui, je travaille à diriger les gens vers l'avant en tentant de leur donner l'exemple. Et je suis passé du statut de membre d'organisation à celui des fondateurs du ministère Rema et de la communion universelle des sacrificateurs et de développer grâce aux leaders que je suis en train de former autour de moi et qui deviendront des excellents responsables du développement des leaders. Je désire continuer à développer et à croître mon potentiel et à me perfectionner dans mes domaines de compétences jusqu'au retour au pays. Quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai monté de classe, mais je ne m'intéressais plus à l'université, je n'aimais plus étudier. Ça ne me passionnait plus. Et mon objectif était d'atteindre le but, avoir mon diplôme, comme mon père le voulait. J'avais terminé. Ça m'a formé. Et là, qui s'est dit dans mon salon? J'étais dans la ville. Mais écoutez, aujourd'hui, je ne me suis jamais perfectionné comme je l'étais à l'université. Aujourd'hui, Je vois les gens qui vont voir ce que mon fils Chico a filmé dans mon bureau. Amen. Et je lis des livres très récents. Je me développe et mon objectif est de former aussi des gens qui vont se développer et qui vont devenir des responsables pour développer d'autres personnes. Amen. C'est ça mon objectif. Et aujourd'hui, c'est la grâce. Parce que je suis fondateur du ministère. Je n'ai pas commencé le ministère avec quelqu'un d'autre. Je suis le fondateur de ce ministère qui a fait et la plus grande branche que je viens de servir 16 ans. J'ai 7 branches. Les bas des habits, ma particularité.
radio-télévision, téléphone du média, je passe à la télé, bien parlé, je suis un homme de médias, et j'ai les codes de formation, j'ai la bibliothèque pour aider les gens qui ne pas parce que moi-même, je suis passé par ce chemin. Il y a la réunion d'affaires du royaume le lundi. Une catégorie de gens qui sont les entrepreneurs propriétaires de leurs propres affaires. Ils vont commencer à gagner beaucoup d'argent et pour contribuer à la formation du roi. Amen. Amen. Parce que moi je ne crois pas aux gens qui doivent et voilà pourquoi je dois aider les gens. Il me reste seulement une seule que je dois faire franchir. J'attends ma connexion sur internet. Je vais commencer à donner mon enseignement à la radio. Mais là c'est vraiment ma salle de conférence. Vous êtes là, vous êtes à la maison, vous avez votre portable, le téléphone. Et si je vous dis que après vous allez me suivre, vous allez me suivre en train de communiquer pour que vous puissiez être. Et c'est ce que je vais faire avec le troco, ce qu'on appelle le cours biblique par correspondance. Aujourd'hui, je suis riche. Je ne suis pas quelqu'un qui doit commencer encore à faire des choses. Bien que j'ai la capacité de faire mais j'ai de multitudes de personnes qui vont faire l'objet de mes questions. C'est question seulement de prendre, par exemple, les jours de mon anniversaire. J'ai dit aux gens qui me maintenant nous allons suivre les cours. Prenez la leçon du 2014, les jours de mon anniversaire. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette leçon? Je pose des questions et vous répondez. Je corrige, les gens s'exercent et en même temps ils s'imprègnent de la leçon. Voilà pourquoi je vais travailler. Je ne suis pas impatient, je reste seulement pour prêcher. Mais j'ai un ministère qui a cette possibilité. Amen. Et j'en suis fondateur. Je suis dans la fierté. Je suis fondateur également. Il réunit les hommes de l'Église. Mais pour privilégier l'unité. Amen. Et avec ces deux organisations importantes, le ministère Emma et la CUS, en tant que fondateur, j'ai déjà quitté l'étape de quelqu'un qui doit être membre d'une autre organisation. Cette étape est déjà passée. C'est pourquoi je suis passé dans des RSD. Les gens qui ne m'attendent plus là-bas. Je dois bien être devant, derrière les gens. Ils doivent venir chez moi. Je suis là en train de me développer en train d'impacter ce monde.
mon objectif est la croissance. Voilà les leaders de partager aujourd'hui. Vous devez me comprendre. Donc je ne suis plus quelqu'un qui. La lettre mon côté. Tu m'as dit ça, ma oh non, Nayawa, Yaka, Nyanaza, pardon. Si toi, la Kinshasa, si Naïdi Batigno, surtout. Il y a qu'à vous traiter dans mon tour à ta responsable, le Goulanga. Ou à ton ministère. Réellement, au Limilini, au Laoyaté, au Pongaï, dans la Nanassimana. Il y a un Likambo, un Pénal Likambo. Partenariat, on peut entrer en partenariat. Gagnant-gagnant. Amen. Amen. Pas perdant-gagnant. Père, si tu ne fais pas, moi je reste. Parce que mon pourvoyeur dans le ministère, c'est Dieu seul. Oui, mon c'est El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Il est plus que suffisant dans tous mes besoins. Je n'ai pas besoin de lobbying avec des gens pour faire le jeu de Dieu. Je n'en ai pas besoin. Dieu qui est la source de tout dans mon ministère, dans tout ce que je fais. C'est lui qui pourvoit tout. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur les autres pour faire le jeu de Dieu. Je n'ai pas cette mentalité. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est lui qui est ma source, c'est lui qui pourvoira. Amen. Voilà pourquoi il m'a appelé le fondateur et de la cause. Et je vais imprimer les choses au travers de ces désordres. Et que chacun puisse faire sa part et dans la mesure du dans le point au moment où moi je me focalise sur mes enfants. Ce que je voulais partager aujourd'hui, les jours de mon anniversaire, et je voulais vous faire part de mon leadership actuel. Amen. Là où vous êtes incliné, dites à Dieu merci pour ces messages. Dites à Dieu merci pour les 55 ans. Pour la vie de votre pasteur. Il y a mon qui vous aime. Oh, bon, il et moi, je vous aime. Oh, matin, il n'y a pas de quoi. Oui, Seigneur. Pas pour l'amour. Éternel Dieu, j'aime ce peuple. Bon, on a fait j'avais demandé à Pierre, même si tu n'as pas de l'ingai, et tu voulais qu'il puisse avoir l'amour. Mais les gens qui ont l'ingo, Pétro se prédit. On a voulu couler sa maman. Oh, je suis comblé de joie. On a tout le salé d'extrêmement. J'étais au lit. J'avais été dans le bec. J'entendais les gens qui m'appelaient. Ceux qui m'envoyaient des enveloppes. Je voyais les gens qui m'appelaient des cadeaux. Parfait, des chemises. Comme cette chemise que je porte. Que le frère Christ m'a apporté. Et d'autres continuent à le faire. Parce que même. Moi aussi, je le sais. Seigneur, je bénis ton père. Je bénis ce message. La parole de ces jours de mon anniversaire. Préparez vos titres. Thank you.
qu'ils vivent dans le bien-être, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Et on nous accompagne par la musique. Que Dieu soit loué. Que Seigneur le
de mon anniversaire aujourd'hui, je suis dans la joie. Mais les jours qui vont suivre, que chacun vraiment exalte le Seigneur, que chacun soit dans l'enthousiasme. Et merveille que tu vas accomplir dans la vie de tout un chacun. Mais le Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, et qui est là pour faire des grandes choses, que tout un chacun vraiment pour en faire. Même confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci.